Coucou tout le monde, ben aujourd'hui j'ai reçu Secret de Chineuse parce que j'avais pris un abonnement à la Sobox, mais c'est une abonnée qui m'a informé que la Sobox ils avaient arrêté. Voilà, je l'aimais bien la Sobox, mais a priori ça s'est arrêté au bout de 4 mois, donc vous le verrez sur Facebook. Et ça a été repris par Secret de Chineuse parce que moi je crois que j'ai pris un abonnement de 6 mois à l'avance, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, c'est une petite boîte. Hein. Vous voyez, avec la petite étiquette Secret Chineuse, avec un petit hibou. Je l'avais pris une fois, hein. Je ne l'avais pas repris. Et bien, on va voir. Petit carton. Allez, on reprend le cutter habituel. C'est pas ouvert. J'en reçois moins en ce moment. Ah, parce que je me suis abonnée à beaucoup moins de box. Comme ça, attendez, je vais essayer de pas renverser. C'est mignon, il y a des petits emballages, des petits rubans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vais essayer de trouver le menu. Alors, il y a 15% de réduction sur votre prochaine commande chez Ichiko de Pinatsu avec le code Chineuse. Ce petit code promo. Regarde ici le menu. Je pense que je vais. Bon, j'ai pris un papier. Je crois que c'est le menu. Vous êtes ici, ma Lupa Pop Box. Voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est le menu. Hein. C'est ce que j'ai trouvé. Il y a plusieurs. C'est très bien emballé. Il y a plusieurs petits paquets. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué? Alors, la cloche a sonné, il faut déjà penser à notre rentrée au rythme endiablé qu'elle inspire. Heureusement, la Fashion Week n'est pas loin et nous offre un red carpet de nouveautés. Des surprises parce qu'il en faut, belles découvertes à toutes. Faites le plein de couleurs. Lupa Pop, jeune créatrice de bijoux, nous fait découvrir son univers acidulé et coloré. Venez faire le plein de bonne humeur, de bijoux et d'accessoires dans la boutique The Little Market de Lupa Pop. Voilà. Alors, à l'intérieur, il y a ça. Wonder Woman. Et on dirait, je vois des pieds et puis des crayons, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un crayon noir Kroll, ou colle, je dis toujours colle. Tatoumi, il résiste à tout, la plus belle jusqu'au bout de la nuit. Alors, un petit machin, je crois que ça doit être celui-là. J'ai, ça c'est. Un crayon du papa. Oui, c'est plein. J'ai tout vidé, je sens, parce que. Bon, écoutez. Alors, il y a déjà un crayon. Je vais le faire comme ça, au fur et à mesure, parce que il y a trop de petits machins. C'est super bien emballé. Alors, il y a un petit crayon marron. C'est marqué Luta Pop, je crois, dessus. Si vous le voyez. Ma Lupa Pop Box. Voilà, ils ont dû la renommée. Voilà, c'est bien emballé. C'est Yes Love. C'est un eyeliner et lip liner. Ah, c'est pour les sourcils et les yeux. Lapis, une labios, a priori. Moi, attendez, je vous montre. A priori, c'est un marron. Voilà. Yes and Love, je crois, avec la petite brosse. Oui, c'est un marron. Je pourrais l'utiliser pour les sourcils ou les yeux. Voilà. Petit crayon contour des yeux. Yes and Love. Spain. Marron. Voilà. Après, j'ai quoi? J'ai un petit sachet. Bien emballé, allongé, vous voyez. Je crois que c'est du papop dessus. Lolo Création, c'est non. Création pour petits et grands personnalisables. Lolo Création. Voilà. Lolo Création.
petit papier craft, vous voyez, avec des petites dents pour l'ouvrir. Ah, mais c'est déjà ouvert. Alors, voilà, c'est très mignon. C'est, on dirait un étui à lunettes. La cloche a sonné. Voilà, style écossais, imprimé en carreau avec un petit toutou. Je ne sais plus quelle marque c'est, ça. Moi, c'est pas Naf-Naf ou je ne sais plus. Petit chien, là. Voilà. La cloche a sonné. Oui, c'est brodé. Voilà. Derrière, il y a des petits carreaux écossais. C'est à scratch. Il y a deux petits scratch. Voilà. Et à l'intérieur, c'est plastifié. Il y a... Oui. Ça a l'air fait main. Il y a un plastique à l'intérieur. C'est plastifié. Et je pense qu'on peut mettre une lettre. Je lirai le menu plus tard. Voilà. Non, comme ça. C'est mignon. Et c'est assez classe. Voilà. Ça, c'est très... Et ça, c'est Lolo Création, création petit et grand personnalisable. Laurence, elle est sur Little Market. Donc, je regarde un peu ce qu'elle fait. Voilà. Après, il y a, c'est quoi ça? Ça, c'est une pub. Spar Shoes. En soirée au travail en voiture, Spar Shoes est votre solution confort. Voilà. Votre marque-page. Spar Shoes. Voilà. Il y a l'Upapop Boutique, dont un petit sachet très coloré avec une fleur. L'Upapop. Voilà. Le papop de la couleur et de la douceur. Ah, c'est un petit serre-tête. Voilà, c'est un petit serre-tête. Il n'est pas grand. Hein, avec les plumes, du duvet, on va dire. Pour mettre sur la tête. Bon, moi je sais pas si je sortirai avec. Hein. Voilà, petit serre-tête. Voilà. Assez girly, hein, c'est rose. Rose clair. Hop, c'est quoi ça? Offre abonnement spécial cliente Sobox. Ça, moi je suis déjà abonnée, donc de toute manière. Voilà, ça c'est marqué derrière. L'instant mode, la surprise en boîte. Vous le savez, secret de chineuse, c'est un peu Sobox dans la découverte de hit produits sans le vêtement qui font de la chineuse box une box surprise mode. Nous souhaitons vous conserver parmi nos abonnés. Voici l'offre secret de chineuse à expiration de votre abonnement Sobox. 3 mois égale 60 euros frais de port compris. 6 mois, 115 euros frais de port compris. Pour bénéficier de cette offre spéciale, merci d'adresser votre demande par email à edwigeleroy@wanadoo.fr. Offre réservée exclusivement aux abonnés Sobox. Voilà. Moi, pour le moment, je suis encore abonnée. Je vais voir d'ailleurs ce que c'est, parce que c'est pas du tout comme la Sobox, je trouve. Et on dirait une carte postale. Les vendeurs Roman. Chère Tati Vénus, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après les X années de fidélité, je vous quitte. Big Moustache, c'est le bonheur pour les jolies pimprenelles. Je suis décontractée et même pas besoin de moustache. C'est www.bigmoustache.com. Voilà, c'est une carte postale avec Big Moustache. Entre le petit logo là et Wonder Woman. Bienvenue au club, c'est une pub à mon avis. Alors, attendez. Ça c'est encore, c'est quoi ça? Ah, oui, le crayon, il est en rupture. Il y avait dans le petit menu que j'avais retrouvé. C'est
pour ça que je ne le trouvais pas. Il montrait le crayon comme ça, je ne le trouvais pas. Ça a été remplacé par celui-là que je vous ai présenté. C'est ce qu'ils avaient annoncé dans le menu en guépard. Voilà. Il est en rupture de stock. Dommage. C'était un crayon noir, Kroll, Tatoumi, il résiste à tout. Voilà, je vais pas regarder les prix. Après, il y a quoi? Il y a... Alors, c'est coréen, ça, c'est kawaii. Voilà. Ear cap, je crois que c'est des boucles d'oreilles. Attendez, je vais vous enlever le code barre, là, je vais l'ouvrir. Ouais, c'est... L'ouvrir. Mini Paul Ear Cap romantique. Voilà. C'est ce qui est marqué dessus. Je vais par le bas. Ah non, c'est pour mettre sur les. Moi, je n'ai pas de iPhone. C'est un petit nœud. Voilà. Et ça se met, mais moi je peux pas l'utiliser parce que j'en ai pas, j'en ai déjà eu ça dans la cute box. C'est à mettre, on m'a expliqué, sur un smartphone ou un iPhone. Ou sur les écouteurs pour pas ramasser la poussière. Voilà. Mais moi, ça me servira à rien, malheureusement. C'est mignon, c'est un petit nœud. Voilà. Vous me rectifierez, mais on m'avait expliqué. Hein. Moi, j'ai un téléphone Nokia, tout ce qui est de plus basique. Je le mets là. Après, il y a quoi? Ouyo! Un rasoir, on dirait. Un rasoir. Avis aux poilus. Hein. Un rasoir violet. Et ça, c'est le capuchon qui est tombé tout à l'heure. Voilà. On le remet comme ça. Non, mais il est pratique. On peut protéger avec le capuchon. J'ai pas de marque dessus. Il y a une, deux, trois, il y a cinq lames, je crois. Je sais compter. Il est mignon. Je vais le garder à la salle de bain, celui-là. Avec son petit truc de protection. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Encore un truc cap là, c'est un petit nœud comme le prévoit l'autre, c'est coréen toujours. Et c'est un petit nœud noir. Là, romantique, made in China. Là. Je vais le sortir, mais je ne peux pas l'utiliser ça non plus. Donc, petit nœud. Alors, avec ça, il y a une petite gomme smiley. Voilà. On dirait. On met de l'autre côté. Petite gomme ronde. Il y a une paille, comme vous voyez. Bon, il y a une box pour recevoir une paille, voilà quoi. Alors, il y a un petit papier made in USA. C'est Sunshine, il y a un marque-page avec des petits poussins. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est encore kawaii, c'est encore coréen. Là, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait que c'est des marque-pages.
pour les classeurs. Avec des petits bonhommes. Ouais, c'est pour mettre, marquer les pages à mon avis. Voilà, il y en a encore un là. C'est finger it, c'est des doigts. J'avais pas fait le rapprochement, c'est des petits doigts. Made in Korea. Ouais, pour moi, c'est que des gadgets. Hein. J'ai quoi ? Décontracté de la moustache. Voilà, une moustache. Parce que je vais en faire. Hein, mais... Il y a un papier rose où il y avait tout ce que je vous ai déballé. Et... J'ai une allumette en plastique, on dirait. Voilà. Faut que je lise le menu. Une allumette. Là, je suis un peu déçue là. Bon. Secret de chineuse, la cloche a sonné. Écoutez, je ne suis plus à l'école, moi. Voilà, c'est un petit ruban avec marqué secret de chineuse. Et c'est vide. Bon, mais total, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le crayon Tatoumi, il a été remplacé par l'autre. Le style bestiaire qui est toujours aussi présent dans les vitrines, faites, hein, adoptez-le. Alors, oui, la porte perchou, c'est une promo. Il parle de chaussettes, mais je ne les ai pas. À nous, il y a le rasoir. À nous, le Wonder rasoir. Big Moustache nous présente son rasoir féminin, Wonder Woman, qui arrive au secours de nos gambettes. Vous aviez répondu non, mais le recevez quand même. Je ne suis pas poilu, à part sous les bras, pour faire le minimum. Que vous avez pour l'offrir à un ami. Gardez-moi votre rasoir de rechange. Alors, pour recevoir gratuitement votre rasoir de rechange, entrez le code Wonder Chineuse sur le tic Big Moustache. Ah, parce qu'il faut les recharger en plus. Voilà. Et Lupa Pop, jeune créatrice de bijoux, nous fait rien. Et il y a le serre-tête. Bah écoutez, je suis un petit peu déçue parce qu'il n'y a pas grand chose qui va me servir. Ça n'a rien à voir avec la sobox. Voilà, le serre-tête. Hein. Pour les. Et girly. Bon, ben bah, voilà. Vous voulez que je vous dise, j'ai le rasoir qui va me servir. Ça éventuellement, mais bon, voilà. Ça c'est de la pub. Ça c'est de la pub. Les petits nœuds là, ils vont pas me servir. Le serre-tête, je pense pas le mettre. Il y a quoi, à la limite le crayon, mais j'en ai plein, des crayons marron. La gomme, voilà, hein, c'est une gadget. Et il reste quoi, la petite pochette à la limite, que je trouve mignonne. Mais bon, j'en ai d'autres. Bon, je suis un petit peu déçue, hein, j'avais m'étais abonné à la Sobox, et puis total, voilà, c'est que... Ça ressemble à la Cutbox, on va dire. Voilà, bah écoutez, je vous l'aurais présenté. Et je vous souhaite un bon retour de vacances. Et puis, de toute façon, moi, je suis abonnée, donc je vais continuer à la recevoir. Mais c'est dommage que la Sobox se soit arrêtée. Allez, à plus.